Yo tout le monde, c'est Ludger. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur quelque chose que je vous ai promis dans une autre vidéo. Non, ce n'est pas encore le PokéRap, mais c'est quelque chose que je vous avais promis dans le tuto TutoApp pour iOS. Je vous rappelle la chose. Au début du tuto direct, on va sur TutoApp. Donc, si TutoApp ne marche plus ou est down, je vais sortir une vidéo demain ou après-demain pour une version sans TutoApp. Donc, il y aura genre un point d'interrogation genre par là. Comme par hasard, TutoApp n'a plus le certificat par Apple depuis hier soir à 4h du matin, d'après mes followers sur Twitter. Donc, ce tuto arrive à point. Donc quel est ce tuto? C'est très simple, hein, je vais pas faire de démo, c'est la même chose, c'est le joystick A plus le TP, donc pas de démo, on va directement passer à l'installation. Comme d'habitude, je vais vous demander de liker et de partager la vidéo, vous connaissez les bails. Abonnez-vous aussi, c'est très important, on est 20K déjà, donc vous êtes beaucoup trop chaud, merci de votre soutien. Donc on commence directement le tuto. D'abord il faut aller sur Safari, parce que sans Safari, il n'y a pas de riz. On va sur Safari. Donc là, vous voyez déjà que je suis sur un site. Je vais le mettre dans la description. Sinon, je vous affiche le lien, vous pouvez le taper à la main ou bien cliquer dans la description. C'est m.guop comme Patrick, a n comme Nathalie, slash Pokémon. Vous savez l'écrire, j'espère pour vous. Et c'est bon, vous faites go. Donc, ça charge. Hein. Et ce site-là, bizarrement, ils ont de meilleurs serveurs que TutoApp. Donc, ça marche à chaque fois, normalement. Donc, vous cliquez sur le gros bouton vert, comme d'habitude. Donc là, ça vous affiche un message, vous vous en foutez. Je vais vous apprendre à faire ça après. Donc là, vous faites installer, comme d'habitude. Donc là, vous pouvez retourner sur votre page d'accueil. On retourne sur notre page d'accueil. Et là, c'est en train de télécharger. On attend, parce que moi, je l'avais déjà, évidemment. Donc c'est pour ça que je disais que j'étais en train de préparer le tuto. Mais j'avais pas encore le temps de le monter, etc. Donc là, on va attendre le téléchargement. A few moments later. Donc pendant le chargement, je vais vous parler un peu du bot. Il y a AR1 iDev qui a recommencé son développement de bot. Donc il a sorti une version bêta. Donc si vous voulez télécharger la bêta, regardez n'importe quelle des vidéos que j'ai fait dessus. Donc c'est le même lien, vous téléchargez, c'est pratiquement la même chose. Il y a juste un message genre ce bot n'est pas fini, vous pouvez être ban. Donc moi je vais attendre encore un peu qu'il améliore les trucs. Les premiers bugs, on sait tous que les premières versions sont bourrées de bugs. Donc je vais pas le présenter pour limiter les dégâts. Donc je vais encore attendre genre un jour ou deux et je présenterai la version on va dire un peu plus finale. Donc on attend, c'est toujours à la moitié, je suis en train de crever de chaud. A few moments later. Le téléchargement est fini, c'est bien celui du milieu. Donc on clique et là, comme d'habitude. Ok, donc calmez-vous, c'est parce que j'ai déjà fait ça avant. Comme je le disais, j'avais déjà téléchargé la version. Là, je viens de supprimer l'application, hein, évidemment, parce que sinon des gens vont me dire « oui, je sais pas comment faire et tout ». Donc là, je le réinstalle et je vais refaire tout bon avec vous, comme si je ne l'avais jamais fait. Donc là, je le réinstalle et là, il y aura évidemment une coupure. A few moments later. Pour les gens, le téléchargement est fini. Normalement, vous aurez ce message-là, « développeur non approuvé ». Donc, vous allez dans « réglages ». Et comme par hasard, dans réglages aussi déjà, donc voilà, vous allez dans réglages, vous allez dans général. Général, après vous faites quoi? Vous allez dans gestion des appareils, et China Pacific Insurance, vous faites faire confiance, se fier, hop, on ressort, et là, quand on va cliquer sur le lien, ça va marcher. Et comme d'habitude, le premier chargement est très long, donc on va attendre. Donc comme d'habitude, choisissez une date pas trop jeune, sinon vous n'aurez pas l'option pour vous connecter avec votre compte Google. Donc autorisez toujours Pokémon Go à vous localiser, sinon ça marche pas. Donc là, on se retrouve à San Francisco, maintenant je m'en souviens. Donc vous voyez que, hop là, on se déplace tranquillement grâce au joystick. Donc comme d'habitude, le joystick marche avec le nord, donc si vous cliquez en haut du joystick, il va vers le nord. Donc si le nord est à droite, par exemple, si je fais ça, il va aller à droite si je clique en haut, donc vous avez compris. Remettez toujours le boussole vers le haut si vous voulez marcher normalement. Au milieu, si on clique, on peut changer la vitesse. Donc là, il y a marche, vélo, voiture, avion. Donc restez toujours en marche, soyez pas con. Donc le premier truc, c'est pour vous TP. Là, c'est États-Unis, Japon, Angleterre, Australie, votre véritable position, donc le home. Et là, c'est pour vous TP n'importe où. Vous faites hop, 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 longitude, latitude. Comme d'habitude. Donc faites gaffe au soft ban. Le soft ban, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle à chaque fois. C'est le fait de ne plus pouvoir prendre de Pokéstop et de capturer de Pokémon. Donc, je vous montre devant vos yeux ébahis. Hop, là, les Pokéstop se prennent. Donc, je ne suis pas soft ban. Donc, si vous TP trop loin, trop vite, dans trop de pays, voilà, vous aurez... Donc, vous serez soft ban. Si vous voulez voir une technique pour capturer des Pokémon sans soft ban, une vidéo ici. Ou là, je ne sais jamais. Donc, vous verrez à l'écran, comme d'habitude. Donc là, je crois que c'est déjà fini. Et là, c'est pour rentrer à la maison en un clic. Évidemment, je ne vais pas vous montrer ma maison. Ce serait trop bête. Comme je le disais dans la vidéo TutoApp, il y a beaucoup moins d'options. C'est pour ça que je le présente après celle de TutoApp. Mais là, la version TutoApp ne marche plus. Donc là, c'est tellement bien. Vous pourrez jouer tranquillement avec le joystick. Hop, 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 hop. Capturer des petits roucoules. Voilà, on va capturer un petit roucoule, hein, juste pour... Voilà. Dans mes vidéos, je commence toujours par capturer un roucoule. Eh oui, eh oui. Un roucoule égale une vie.
Donc on attend, clic, 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 clic. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, cette petite vidéo s'arrête ici. Surtout n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager comme d'habitude pour lutter contre les haters. Abonnez-vous à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et aussi dernier jour du concours 100K évidemment parce que je suis à 20K maintenant. Donc le tirage au sort demain, demain on est le 27, donc tirage au sort demain quand je le voudrais, hein, genre vers midi je pense. Donc tirage au sort demain sur le concours Facebook et Twitter d'IK. Donc soyez chaud, si vous n'avez pas encore participé, vous pouvez participer encore aux deux. Donc c'était Lugier à votre service, ciao.